Pour faire un make-up, mais un make-up très très moche, puisque, enfin putain, très très beau plutôt. Mais je vais juste vous informer quelques minutes pour vous dire que ce make-up est totalement faux. Il ne faut pas le reproduire. L'inconnu, c'est du chien. Il ne faut pas le reproduire parce que voilà, c'est pas un beau make-up. C'est moche, c'est vraiment juste pour rigoler. Et voilà. Donc, je vous retrouve tout de suite. Donc déjà pour commencer, il faut bah, bien se tâcher les cheveux parce que si on a du noir dans les yeux et tout, ça, dans les cheveux et tout, ça va pas le faire. Et bien sûr, je me suis attachée les cheveux, ouais, donc voilà. Et le qui arrête. Et je me suis déjà maquillée. Non mais j'y crois pas, l'encre c'est du chêne total. Donc voilà. Juste un petit peu mascara raté et puis j'ai mis un petit peu crayon, mais ça se voit pas trop. Donc on va commencer par... ça je sais pas, non. Oh putain, je suis pas mort. Bref, on va commencer par le mascara que ma maman m'a offert. Même si c'est déjà du mascara, c'est pas grave, on s'en fout. Donc attendez, je vais bien me mettre droit comme ceci. Donc si je regarde vers là, c'est parce qu'il y a une glace, donc je peux me regarder dedans. Voilà, c'est vraiment un galère. Lucky, hop. On se maquille bien les mascaras. Genre, on en met juste en haut parce qu'en bas, ça sert à rien de toute façon. Donc, au pire, on en met juste en haut et puis en bas, ça sert à rien. Voilà. Hop. Voilà. Si jamais vous avez des trucs en haut là, c'est vraiment pas grave. Hein. Ça fera beaucoup plus joli de toute façon. On s'en fout. Voilà. Ensuite, on va commencer par, enfin, on va faire les sourcils. Donc les sourcils, en fait, on va partir du coin là. Donc là, à la pointe, on va mettre un petit trait comme ça pour faire genre. Et là aussi, là, on va faire un petit trait. Ah là là, je vous jure, c'est chiant. On va faire un petit trait là en mode joli, hein. Voilà. Hop. Donc là, en fait, j'arrive pas vraiment à bien vous filmer comme ça. Donc, attendez, je vais essayer de vous filmer. Excusez-moi la moto. Donc, on va passer comme ceci. On va bien faire comme ça. C'est pas grave si c'est pas arrondi. Hein. Au pire, on s'en fiche. Ouais, faut que ce soit bien gros comme ça. Si c'est pas gros comme ça, après, c'est trop moche, hein. Vraiment, c'est moche. Vraiment. Et c'est pas grave si c'est pas la même chose parce qu'au pire, on le verra pas. Donc voilà, au pire, on s'en fiche. Hein. C'est juste des sourcils, hein, moi je vous le dis. Donc après, vous pouvez colorier. Donc, moi, mon crayon, c'est vraiment de la merde. Alors, faut tailler le crayon. Hein. Un crust du chien. On va tailler le crayon. Voilà, comme ceci. Et donc, je vais tout simplement, hop, faire comme cela. Donc, attendez, je vais vous montrer. Hop, donc, hop, je vais vous mettre là parce que ce sera... Ah non, là, c'est bien comme ça. Voilà, comme ça, c'est bien, là, qui touche pas. Hop. Je sais pas, ah non, vous voyez pas, hein, je vais vous mettre comme ça. Hop, ça fait pas trop mal. Sauf si vous appuyez dessus, vraiment, ça fera super mal. Mais sinon... Oh, c'est magnifique! Oh, regardez-moi ça, c'est trop beau. Puis on va faire l'autre comme ça. Et comme je le dis, c'est pas grave si c'est mal proportionné, hein, puisque... Pire, on s'en fout, hein, c'est juste des sourcils, hein. Désolé des bruits de chien à côté. Hein. Voilà. Ah, c'est magnifique. Maintenant, on va faire un petit trait aussi pour éviter que ça démarque. Ah non, mais là, faut que ça descende un peu plus. Hein. Voilà, comme ça. Ah ouais, mais c'est des petits trucs comme ça. Ça fera trop beau comme ça. Voilà. On va faire comme ça. Ça va se passer trop, pas trop con parce que ça fait trop con. Après, c'est moche. Hein, donc... Après, on va coiffer. Voilà. Ah, c'est beau. Oh, waouh. C'est magnifique. Vous vous trouvez comment? C'est trop beau.
Ensuite, je vais utiliser mon eyeliner parce que je trouve ça vraiment très beau l'eyeliner. C'est quelque chose de magnifique. Donc, alors, on va se mettre comme ceci. Si je regarde là-haut, c'est en même temps parce que voilà, je vais me regarder dans le retour de la caméra. Dans le retour du téléphone. Hop, oh, en plus, il est trop bien lui. Alors, on va vraiment essayer de le faire très très bien parce que ça c'est très 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 facile à faire. Hop, voilà. On s'en fout si ça part comme ça là. On s'en fout. Ah merde. Bon, ça, c'est beau ça. Voilà, c'est beau, c'est beau. Oh là là. Oh, c'est trop beau. Hop. Hop, voilà, comme ceci. Après, vous pouvez le faire sur toute la paupière, c'est beau. Ah, Par contre, évitez de vous en mettre dans l'œil, ça fera mal dans l'œil. Oh my god, c'est trop beau. Oh wow, regardez ce que j'ai fait. Bah, si vous voyez bien, attendez. Voilà, comme ça. C'est trop beau. C'est beau. Ah, c'est trop beau. Lucky, c'est beau, hein. Ouais. Même mon chat, il a dit que c'était beau parce qu'il peut parler, hein, forcément. Ensuite, hop. Là, on va faire autrement. En fait, on va juste faire comme ça. Arrête. Pardon, là, c'est mon chien qui fait des bêtises, là. Hop. On va vraiment, hop, tapoter comme ça après. Ah, c'est beau. Ah, vraiment, j'aime trop. C'est trop beau. Vraiment. Et comme en fait j'ai pas de fond de teint parce que j'en ai pas, je vais utiliser ma crème en fait pour les yeux et tout, enfin bah, pour tout quoi. Oh putain, c'est pas ce que j'ai là. Boum. Bon. Bon bah il est tombé, hein. Prends celle-là, on va essayer de l'ouvrir, hein, tant pis. Là, j'ai réussi. Voilà. En fait, ça va juste remplacer le fond de teint. Hein. Vous voyez, elle est comme ça, la crème. Ça va un petit peu remplacer le fond de teint. Lucky, touche pas. Lucky. Et en fait, vous allez juste le mettre sur votre peau. Et comme il y a un petit peu du noir, comme ça, ça va faire trop beau. Hop. Hop. Voilà. Et vous voyez le noir là? Ah, c'est trop beau. On va juste laisser comme ça pour que ça fasse... Voilà. Et là, en fait, on va juste faire une petite délimitation. Comme ça. Hop. Vraiment dire que c'est le fond de teint. Voilà. Donc c'est pour bien délimiter comme ceci. Pour bien dire, ah bah elle a mis du fond de teint. En fait c'est pas du fond de teint mais... Ça les gens ils pourront croire que c'est du fond de teint. Ça se voit aussi que c'est du fond de teint quand même. Je trouvais pas que ça se voit que c'est du fond de teint, mais je trouve que ça se voit. Après si vous trouvez que ça se voit pas... Bah. Mais pour vous, moi j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on va reprendre l'eyeliner d'avant et en fait, on va en mettre pour contour de bouche en fait. Voilà. Bon, là, par contre, j'ai besoin du miroir. Lucky, Hop. Voilà, comme ça. C'est vraiment un maquillage bien pour le collège, je trouve. Sinon, arrête. Voilà, et c'est pas grave si on a un petit peu sur la bouche, là. Vous pouvez même en mettre sur les dents. Hein. C'est pas grave, ça fera rien. Ensuite, vous allez prendre un beau rouge à lèvres. Et là, en fait, vous allez dépasser comme ça. Enfin, moi, c'est du gloss, personnellement. Et. Lucky. vous allez en être. Enfin, déjà. Arrête! Pardon, c'est mon chien, là. Hop, comme ça. Voilà. C'est pas grave, c'est du noir qui va sur la bouche. C'est beau, hein. Comme je vous l'ai dit avant, c'est magnifique. Regardez. Voilà. Comme j'ai les dents toutes blanches, hein, c'est trop beau, franchement. Ah putain, je suis
Voilà. Hop, faut bien mettre en dessous parce que sinon c'est moche, hein. Et quand je dis que c'est vraiment moche, c'est vraiment moche, et non. Voilà. Voilà, c'est trop beau. Qu'est-ce qu'il faut le chien derrière là? Voilà, c'est trop beau. Ah ouais, là franchement, je pense que votre mec, il va vraiment adorer comment vous vous êtes faites là. Votre mec, je veux dire purée, celle-là, elle est bonne. Hein. Voilà. Ensuite, bah la suite c'est tout. Hein. Je vais pas mettre autre chose. Ah non, j'ai mis des petites taches de rousseur, la fin des petites taches. Des petites taches de rousseur, c'est super important, c'est super beau. Vraiment, je crois que moi, si j'aurais été toutes ces trois, que si j'aurais été rousse, c'était trop beau. Hop, des petites taches. Ah ouais, là aussi là. Les crottes de nez, c'est beau, je trouve. Ah ouais, c'est beau. Ah oh, ouais. Ouais, trop beau. Vraiment. Quelque chose, I love you. Bon, de l'autre côté, on en fait juste un parce que sinon, on va faire des bilans. Voilà, on en fait juste deux, mais des gros comme ça. Parce que si on en fait plusieurs de l'autre côté, si on en fait que. Si on en fait plusieurs de l'autre côté, si on fait plusieurs de côté là, ce sera moche. Forcément. Voilà. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Revenons à la réalité là, please. Donc voilà les filles, donc là je reviens vraiment à la réalité. C'était vraiment pour rire cette vidéo, ne le faites pas chez vous comme ma cage, enfin si vous voulez rigoler, oui. Mais sinon ne le faites pas chez vous, enfin ne le faites pas, ouais, ne le faites pas chez vous. Moi je vais vous laisser, je vais vous montrer après que je suis démaquillée. Donc voilà les filles, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je suis démaquillée, ça y est, juste on met un petit peu de mascara, un petit peu de crayon et un petit peu de rouge à lèvres. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et oui, je suis couchée parce que trop de flemme. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo ou à mardi pour une nouvelle vidéo. Voilà, ciao, bisous!